tirer des têtes. Mes amis me surnomment Yoshi. J'ai 20 ans, je suis d'origine cambodgienne. Je suis la troisième génération au Québec. J'adore le sport, j'ai entendu parler de sport qui se donnait ici. Je me suis dit, j'aimerais bien découvrir qu'est-ce qui se passe ici. J'ai entendu parler du cricket, j'ai entendu du tir à l'arc extrême. Je fais du tir à l'arc, mais sur place. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour venir découvrir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, c'est le ministère du cricket et des autres sports Finlande. C'est un centre multisport face au marché central. Nous avons à peu près 20 sports ici. Le cricket, c'est vraiment une partie de culture. Moi, je viens de l'Écosse et c'est une très grande part de culture là-bas et la culture de Grande-Bretagne. C'était le premier sport national du Canada et c'est maintenant le sport le deuxième plus grand au monde. Le ballon en cricket, on attrape sans les gants. Mais c'est un peu moins douloureux, ça tue les nerfs éventuellement. Mais en cricket, vous pouvez frapper le balle n'importe où, 360 degrés. Il n'y a pas des fausses balles, il n'y a pas des strikes. C'est vraiment comme balle molle sur stéroïdes. Ici au ministère du cricket, nous avons un nouveau sport qui s'appelle extrême tir à l'arc. C'est vraiment un mélange de paintball et dodgeball avec tir à l'arc. C'est un nouveau sport au Canada qui pousse vraiment vite. Il y a 6 centres comme ça à Toronto. Je pense que ça vient originellement d'Allemagne. Et ici, c'est nouveau et c'est très populaire. En tir à l'arc extrême, vous courez, vous se cachez derrière les gonflables, comme les murs de château, des choses comme ça. Okay. Il y a une musique dramatique. Et on tire les flèches aux vos ennemis et les cibles. Tout le monde peut jouer ça. C'est très populaire maintenant parce qu'il y a beaucoup de tirs à l'arc dans films et télévision, comme Brave, comme Game of Thrones. J'ai comme l'impression que je retournais en enfance. J'avoue que j'étais avec du monde que je connaissais pas, mais j'imagine juste avec mes amis, si j'étais avec eux, j'aurais vraiment aimé ça, j'aurais trippé bien raide. Mais sérieusement, ça m'impressionne.